Bonjour à tous et à toutes mes amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Ghosty et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Pokémon Diamant Étincelant. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné un épisode de Pokémon Diamant Étincelant, j'en suis désolé. Entre temps, j'ai eu pas mal de petites choses à faire et tout, pour le concours et tout, il y avait tellement de choses à faire, donc voilà, je me suis consacré à certains jeux, à finir en premier, donc au Ghost Legacy et tout ça. Bref, les amis, du coup, aujourd'hui, on est à Bonville et on doit livrer le vieux Gris-Gris à Celestia, voilà. Donc la dernière fois, on n'a pas pu y aller car il y avait de la brume, et oui, il y avait de la brume. Du coup, on y retourne. Et cette fois-ci, on va pouvoir y accéder parce que, en off, j'ai chopé, tout simplement, l'anti-brume qui va nous servir. Ah, on a un Pokémon qui apparaît, donc un petit Ponyta. Bon, après, les Pokémon en soi, je m'en fous. Car il y a des Pokémon que je veux et d'autres que je ne veux pas pour l'équipe. Alors, celui-ci, hop, on se casse, on n'en veut pas. Je ne veux pas de celui-là. C'est mort. Alors, est-ce que j'ai une repousse? Ah, est-ce que j'ai ça? Si j'ai ça, ça serait cool. Swambol, non, 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 non. Ah, j'ai un repousse. Voilà. On est bon. Du coup, dans l'équipe, on a actuellement Chimpanzé, Luxray, Cornèbre, Sankoki et Seriflore. Voilà. Pour la petite info, pour faire une petite mise à jour. Voilà. Voilà, là on va devoir faire anti-brume, hop, qui est juste là. On va en avoir besoin parce que bon, la dernière fois, c'était un labyrinthe. Du coup, on y va. Alors, s'il te plaît. Alors lui, on l'a déjà combattu apparemment, de ce que j'ai compris. Bah en fait, on a combattu pas mal de dresseur. Alors désolé, je suis un peu enrhumé et tout ça, c'est le bordel en ce moment, c'est le rhume et tout ça, l'automne, c'est une fraude, hein, en vrai. C'est là où on tombe le plus souvent malade avec l'hiver. C'est horrible. Ça doit faire au moins 2 semaines que je suis comme ça, je crois, un truc comme ça. Du coup, tu as qui? Papinox, ok. Tu balances Papinox, ok, si tu veux. Alors, niveau 34, ouais, Chimpanzé, il est niveau 34, on va plus tarder à avoir Cinabrase dans l'équipe, ça va être trop cool, ça va nous arranger, pour beaucoup de choses. Sankoki, 27. Enfin, le retour des épisodes de Pokémon Diamant, parce qu'on l'a réclamé, on m'a dit c'est quand que tu tournes la suite et tout. J'ai dit bah, quand j'aurai le temps, voilà. Quand j'aurai le temps et tout ça. Tac, tac, tac. Non, c'est pas par là, donc c'est par là. On descend par là. Par ici. Hop. Tac, tac. Je vais te montrer ce qui fait le charme du Pokémon Oiseau. Ah, elle. Elle va être casse-couille parce qu'elle a des Pokémon de type vol. Pas c'est une dortine de l'ornithologue. Voilà, c'est une ornithologue. Il est arrivé. J'arrive même plus à parler, c'est chiant par moment. Ornithologue. C'est une ornithologue. Voilà. Route feu. Je savais pas qu'on pouvait avoir des hout-hout dans ce jeu, je m'en souvenais plus. Je sais que dans Or et Argent ou Ergol ou Survivor, on peut les avoir avec pomme de pique. J'aimerais bien faire les versions Or et Argent de ces quatre. Pourquoi pas? Mais la version DS, je précise. La version DS. Du coup, ouais, ça se fera. Mais pas maintenant. Noir et blanc aussi, ça pourrait être pas mal. Ou XY et tout ça. En vrai, tous les Pokémon sont faisables. Même Pokémon Go, là, Evoli et Pikachu. Moi, je sais que j'ai Evoli, mais après, Pikachu aussi, ça peut se faire. Étincelle. Oui, on l'a battu, ok. Ok, on s'en fout. On l'a combattu. On a un autre dresseur juste ici. Après, on va devoir aller sur la route 210 pour aller à Celestia.
Et je crois que le vieux gris-gris, en fait, c'est la grand-mère, c'est pour la grand-mère de Cynthia, il me semble. Hein. Je crois qu'il y a une connerie comme ça. Il me semble. Luxray. Ouais, morsure, si tu veux. Ça me fait rien. Je te fais étincelle, mon pote, t'es fini. Ok, ça c'est fait. Charpe à feu, niveau 35. Girafe à rigue. Il est de type si ténèbres, je crois, ou ténèbres. Ou type city, je sais plus. Il est de quel type, lui? Oh, on va utiliser Cornèbre. Vu qu'il est de type vol et ténèbres. Je crois qu'il est de type 6 et tout, je crois. Il y a une connerie comme ça. On va faire assurance pour voir. Ouais, c'était ça. Ok. Ouais, Cornèbre, il faut une pierre nuit, mais ça, ça sera pour plus tard. On va la de toute façon, on va la chercher bientôt. On va bientôt chercher la pierre nuit. Vous inquiétez pas. C'est prévu. Mais ça sera au fur et à mesure de l'aventure. Parce que là où je dois aller, il faut une clé. Et cette clé, je l'ai pas. Machopper. Cornèbre, en fait. Je sais pas pourquoi je voulais changer de Pokémon, mais non. Faut pas. Un coup de cruel et c'est fini. Cher, ok. Sur danse plume, ouais, sur danse plume. Du coup, alors, on est à Celestia, ça y est, enfin. Et je crois qu'il y a une arène, je suis pas sûr. Je crois, ou une grotte. Je sais plus, il y a un truc à visiter ici. Il me semble qu'il y a une grotte ou je sais plus quoi à faire. Bonjour et bienvenue au centre Pokémon. On va les soigner vite fait, hop. Alors, je sais plus ce que j'ai dans le centre. Bah, dans la boîte PC. Donc, on va regarder vite fait. Alors, du coup, j'ai quoi? C'est Damel. Oh, et Tourvol, Rousse-Bouton, Mustéflotte et Jirachi. Ouais, non. J'ai rien de oufissime. Ok. On s'en va. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est elle. Il y a un drôle d'individu habillé en spationaute devant les ruines. Je ne sais pas à quoi il s'attendait, mais ça l'a enragé de découvrir qu'il n'y avait rien là-bas. Il a même menacé de tout faire exploser avec une bombe. Non, mais... Pour qui il se prend? Si j'avais 20 ans de moins, je lui donnerais une bonne leçon avec mes Pokémon. Donc, on a la Team Galaxy qui est là, apparemment, de ce que je comprends. Cette ville est insignifiante, il n'y a rien d'intéressant ici. Et puisque cet endroit n'a aucune raison d'être, je vais le pulvériser avec une bombe galactique. Si tu tentes de t'interposer, je t'écraserai avec mes Pokémon. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux m'affronter? Bah oui, on est là pour ça, mon copain. Tu oses défier la Team Galaxy? C'est comme défier le monde. Non, l'univers. Allez, go, c'est parti. Lui, il a trop cherché. Il a cherché les noises. Un Charmillon. Tu oses m'affronter avec un putain de Charmillon, quoi. Ouais, j'étais en train d'hésiter de le dire, mais c'est bon, je le dis, c'est bon. Roue de feu. Ah, le Charmillon, il a fait... Il a eu un one-shot. Il a pas fait 2 secondes. Oh, j'aurais dû avoir un Pitang de Charmillon, voilà. Cardopo. On va utiliser Cornèbre.
Enfer tranchère ou cruel. Tranchère. One shot. C'est beau ça, ça c'est beau ça. Je suis d'accord, là, je dis pas non. Alors du coup, on l'a battu, je me suis fait battre par une demi-portion, la honte. Eh oui Billy, t'as cru quoi? Je suis balèze. Tu es trop fort pour moi. Bon, tant pis, j'abandonne. Je ne vais pas perdre plus de temps dans un endroit qui n'en vaut pas la peine. Ok. Et après, la grand-mère va arriver, c'est ça? J'en suis sûr que c'est ça. Eh bah oui, c'était sûr. Alors ça, je sais pas ce que nous aurions fait sans toi, jeune dresseur. Tu as un vrai talent pour le combat. En tant que doyenne de Celestia, je tiens à te remercier. Oh, ce gris-gris, puis-je le voir, mon enfant? Ça perd l'hypopète. Tu dis que c'est ma petite-fille Cynthia qui t'a demandé de me l'apporter? Bah oui. Vous remettez le vieux gris-gris à la doyenne. Ouais, c'est sa grand-mère, du coup. Il y a très longtemps... il y a très, très longtemps, des gris-gris, comme celui-ci, ont été fabriqués ici à Celestia. En l'honneur d'une déité qui aurait créé Sino. On en découvre encore parfois aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Celestia. Maintenant que tu es là, tu devrais au moins en profiter pour visiter les ruines. Bah ouais, à la rigueur. Je sais pas si on va trouver quelque chose d'intéressant, à part ça. Vous examinez le mur. Alors on a Créfadé, Créalf et Créfolé, je crois que ça c'est les trois Pokémon. Il est recouvert de motifs mystérieux. Trois éléments étranges forment un triangle, quelque chose de brille en son centre. On dirait un œuf de Fionné, je crois c'est. Qu'est-ce que cela signifie? Tu te demandes ce que cette peinture représente. Il y a bien longtemps, il existait des êtres dotés de pouvoirs si puissants qu'on les considérait comme des déités. Trois autres Pokémon existaient également comme pour contrebalancer leur pouvoir. Ces trois Pokémon formaient une sorte de triangle, garant de l'équilibre. C'est ce que dit une vieille légende de Sinnoh, que l'on raconte encore à Celestia. En fait, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être utile. Je vais t'en faire cadeau. Ça appartenait à ma petite fille, mais elle en a plus l'utilité. La CT95, ok. Vous rangez, la capacité secrète Surf permet de déplacer... Ah, c'est Surf, ok. Quand elle a la capacité Surf qui fait déferler une vague gigantesque sur le terrain, elle touche tout le monde sauf le lanceur. Ok. D'ailleurs, ma petite fille m'a raconté quelque chose à ce propos. Qu'a-t-elle déjà dit? Ah putain, je vais y arriver. Ah oui, si tu utilises Surf avec ta Pokémon, tu pourras te déplacer sur la mer et les rivières. Mais pour cela, tu dois d'abord obtenir le badge d'Union Police. Et là, par contre, je ne peux pas t'aider. Alors du coup, aujourd'hui, ça sera direction Union Police pour battre... je crois que c'est Sonia... Je sais plus son nom. Mais je sais où c'est. Donc, ça va être rapide. Ah, on dirait qu'un combat futile a eu lieu ici. Tout le monde devrait prendre du recul et voir les choses sous un autre angle. Un angle cosmique. Mon nom est Helio. Je cherche le pouvoir de créer un nouveau monde, un monde sans conflit. Mais ce n'est pas ici que je le trouverai. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas, au Mont Couronné. Préviens-moi si tu découvres un pouvoir attaché aux légendes de Sinnoh. Et quoi encore? J'en ai besoin pour créer un nouveau monde. Ok. Bon, bah, ils sont tous barjots, plus barjots que l'un que l'autre, hein. On est d'accord. Du coup, vol. On va aller à Union Police, et c'est parti. Alors, je crois que l'arène, c'est une arène de type poison, je crois, ou psy, je sais plus. Donc, on va faire une mini... On va aller ici. Alors, pourquoi je vais au centre Pokémon? Bah, tout simplement, parce que si je suis KO, bon, ça, je pense que vous le savez, la plupart. Voilà, si je suis KO, au moins je me re-TP dans ce centre Pokémon au lieu d'aller à Perpète. Du coup, c'est parti. Alors, je sais plus ce que c'est cette arène déjà. Arène Pokémon d'Union Police, Chimera. Voilà, c'est Chimera vainqueur Triox. Ah oui, c'est parce que
Notre personnage, c'est Cetriox. Salut, comment vas-tu, futur maître? Sache que notre champion d'arène utilise des Pokémon de type spectre. Ah, attention, il y a des attaques de type normal. Alors, on va mettre en avant Cornèbre ou Luxray. Je dirais plutôt Cornèbre. En vrai. Parce que c'est du type spectre. Après, Luxray est toujours là au cas besoin avec morsure. Donc, on y go. C'est parti. Alors. Question 3 plus 5 plus 7. Réponse 2, 16, 15. Alors, 3 plus 5. Ça fait 6, 7, 8. 8 plus 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, il y a un truc qui va pas. 5 plus 7. Donc, 8, 9, 10, 11, 12. Plus 3. 13, 14, 15. Ah, c'est 15. Voilà, c'est bon. Je me suis trompé. J'ai fait un mauvais calcul. On est bon. Ici, question 12 plus 28. Alors. Oh putain, là, ça va être un peu chaud. 8 plus 2, 9, 10. Je retiens 1. Donc, je retiens 1. On retient 1. Donc, ça fait 10. 8 plus 2, 10. Allez, d'accord. Retiens 1. Donc, ça fait 40. Si je dis pas de conneries... Attendez, 40, c'est au milieu, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Et c'est la bonne réponse. Plus qu'une question. Et normalement, c'est bon, je crois. Question 3 fois 13. Oh putain, là, ça va être encore plus chaud. Ah, au secours. Bah, en fait, 33. Parce que 3... Ah non, je dis une bêtise. Bon, déjà, 3 fois 3, ça fait... 9... Attends. Oui, 9. Ça fait 39. Si je dis pas de conneries, ouais, 39. Je suis pas un matheux, mais j'essaie de me démerder. Et c'est la bonne réponse. Putain, oh, j'ai eu chaud. Eh, je suis pas matheux. Les maths, je déteste ça. C'est pas ma cam. Question, quelle était la bonne réponse... La réponse de la salle 1. Oh putain, oh non. C'est 15. Ouais, c'était 15. J'ai une mémoire de merde aussi par moment. Et c'est bon. Du coup, on est bon. On est contre Chimera. Oh oh oh! Enfin te voilà, darling. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis arrivé dans cette région. Quand j'ai vu qu'il faisait des concours ici, je me suis dit, Marvelous, je vais gagner. C'est pourquoi j'ai choisi ce look strass, paillettes et show business. J'ai aussi étudié les Pokémon, c'est comme ça que je suis devenu championne UC. Enfin bref, je suppose que tu es là pour le challenge. Ah oui, il me semble que c'est une anglophone, elle. Elle, bah, elle a l'accent dans l'ennemi, il me semble. Mais je te préviens, c'est moi qui crée Victory, car je suis la championne. Alors, je vais faire l'accent un peu british, voilà. Même si je le fais très mal. Mais il me semble que c'est ça dans l'anime. Chimera la championne veut se battre. Chimera la championne envoie Go Drive. Allez, vas-y. Oh, punaise. J'aurais dû utiliser Luxray. Avec étincelle. Je sais pas si je vais l'avoir. Alors, spectre. Donc, assurance. On va voir avec assurance pour voir. Ah, quoique. Ouais, mais il a le boom final. Faire attention. Le Go Drive est le mieux utilisé. Full Force. Ok, c'est bon. On est bon. Ok, on s'en fout. Ah, punaise, ça le soigne, hein, Saligo. Ah là 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 là. Assurance. Feu follet. Si tu veux. Donc, chaque tour, ça me brûlera. Pour ça, à la rigueur, on s'en fout. À la rigueur, ça, on s'en fout, en vrai. Allez, crève, tombe KO, s'il te plaît. Oh merde. Ça sent pas bon pour ma pomme. Je vais le prendre en pleine face, je sais pas pourquoi. Je sais pas si Cornèbre va rester là en vrai. Oh, stylé, l'animation. Assurance.
Ok. Gros drive et KO. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour la suite. Par contre, boom final. Voilà le problème avec ce Pokémon. Le boom final fait très mal. Voilà. Et je crois que c'est pas le seul Pokémon. Je crois que Smogogo et Smogo long, je crois, il me semble. Il me semble, hein. Je veux pas dire de bêtises. À moins que ce soit le seul Pokémon. Beau drive et gros drive, voilà. Qui met la championne en... La championne, ouais. Championne, envoie un ectoplasma. Je vais prendre Luxray. Parce que là, Cornabre est dans une mauvaise posture. Et je veux qu'il gagne de l'expérience, le pauvre. Je le veux pour la suite. Je veux mon Corbosse bien puissant, quoi. Bien puissant. Allez, comme on dit dans le jargon. Alors, Ectoplasma, c'est mon petit chouchou. Ah, punaise, mais en fait, je mets ma caméra là, mais... Ah, là, 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 là. Plutôt, là, voilà. Là, on la met là, c'est pas problématique. Tac, on est bon. C'est faisable. Morsure. Ectoplasma, c'est mon petit chouchou. Je cherche toujours sa petite peluche pour la décoration. Parce que Ectoplasma, c'est mon chouchou. Je sais pas, Dracolos, Ectoplasma. Là, bah, je suis type dragon et un peu du spectre. J'aime bien Skelenox, Nocturne Noir et Terraclop. J'aime bien Spectrum, Phantominus et Ectoplasma, mais plutôt Ectoplasma. Donc voilà. Pour maudit, la belle lampe pour réduire les dégâts infligés. Ah ouais. Morsure. Oh non, punaise, c'est une entrave. Et si je fais étincelle, ça va marcher ou pas? Il fait mal, lui. Ouais. On l'a paralysé, ok. Il reste combien de Pokémon pour Chimera? Encore un, après? Ok. Tant mieux. Allez, étincelle, s'il te plaît. Oui, ça c'est bon, ça c'est bien, Luxray. Ça. Je suis fier de toi. Là, en vrai, je suis fier de Luxray, c'est bien. Magirev. Qui c'est qui aurait un petit peu spectre de ce type? Alors, on va utiliser Chimp en feu, à la rigueur. On va essayer de combattre. Eh non, merde, j'ai fait une connerie parce qu'il est de type combat et feu. Donc, si elle a des attaques psycho. Oh dear, c'est déjà mon dernier Pokémon. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si elle a des attaques psy, donc psycho, choc mental ou je ne sais quoi, bref, vous avez compris, je suis dans de beaux draps. Donc, on va mettre sur Luxray une potion. Voilà. Onde folie, ok. Ça pourrait passer, en vrai. Merde, je fais une boulette. Attaque. Roue de feu. Éclat magique. Il me semble que c'est de type psy, je crois. Je sais plus. Je sais plus de quel type c'est. Putain. Ah, punaise. Ouais, il va retourner se coucher. Elle est pas mal, celle-là. Luxray. On va balancer Luxray sur le terrain. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que là, Magirev, il va être pète-couille. Vraiment pète-couille. On va péter un plomb avec lui. En vrai, Luxray, ça va, il encaisse correctement. Morsure, s'il te plaît, fais morsure. Fais morsure. Je crois qu'éclat magique, c'est fait. Et je crois que dans cette version, elle y est pas. Les attaques de type fée ne sont pas dedans. Nous n'allons pas abandonner, never. Je me suis foiré sur l'accent, là. Sur la phrase aussi. Hey, mince, punaise. Bon, on va faire combattre Chimp en feu. C'est la solution. C'est... Non, on va faire un truc. Vous me connaissez, j'aime bien sacrifier des Pokémon. Désolé. On va devoir faire quelque chose. Et il faudrait que j'arrête de me cogner, c'est horrible. C'est chiant. De toute façon, là, je vais devoir tout refaire ici. Ça ne va pas du tout. Alors. Cornèbre. On met une super potion. Oh! Pas KO? Alors, j'ai plus de potion, j'ai rien du tout. Vampigraine, Zénith, Feuille Magique. Alors, Feuille Magique, on va le faire. En folie, ok.
ça va être problématique. Allez, tant de chaos, s'il te plaît. Avec la magique. Elle a une très bonne défense, je trouve. Elle s'est encaissée, Seriflore. Bah, il s'est bien encaissé, pardon. Vu que c'est un mal. C'était sûr. C'était sûr. Je vais remettre Cornèbre sur le terrain. On va faire assurance. Et j'ai peur qu'il tombe KO. Voilà le problème. Assurance. Avec la magique. Putain. Aïe, 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 aïe. On va faire 100 coquilles. Allez, 100 coquilles. C'est mon avant-dernier espoir, s'il te plaît. Fais pas de la merde. Fais pas de la merde, s'il te plaît. Vibre à quoi? Oh, et non! Non! Enflure! Putain, je sais pas si je vais y arriver. Je ne crois pas. Ah, l'ennemi est faible, mais c'est une saloperie, hein. Roue de feu! Allez, attaque! Oh, je suis dégoûté, putain! Ah, je suis deg! Bon, bah, les amis, je vais faire une ellipse et comme ça, on se retrouve devant Chimera juste après. Donc, à de suite. Du coup, les amis, c'est reparti pour un match. Alors, on a Gros Drive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Luxray. On va faire étincelle direct. On va faire une. On va essayer de le one-shot. Donc, intimidation Luxray. Ok, ok, on est bon. Donc là, il va utiliser Vol Force. Ok, si tu veux, vas-y. Ça sert strictement à rien. Mais bon. Étincelle. Châtiment. Si tu veux. Ça marchera pas. Ah, presque le one shot. Paralysé. Ok. Étincelle. On y retourne. KO. KO. C'est bon. Un Pokémon, boom final, ok, tant pis, c'est pas grave. Luxray blessé, tant pis, c'est pas grave. Ok. On va se retrouver contre qui, là? Close combat, ok, je le veux. Je le veux contre... Éclatroc. Ectoplasma, vas-y. On continue. On va faire morsure. Bombe Burk. Putain. Cornèbre. Il est confus. Allez, assurance. Vas-y, faut que ça marche, là. Éclat magique, ok. Ah, oh là là. J'ai une équipe de merde ou quoi? C'est pas possible. Chope en feu. J'ai une équipe pas ouf, là, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Route peu. Bomberk, ok. Eh, Bomberk, il fait trop mal. Ah, c'est une saloperie, Ectoplasma. Je l'ai sous-estimé, mais il fait très mal. Putain. Oh, la catastrophe. Non, la cata. Non, sans coquille. Allez, vas-y, rattrape. Faudrait peut-être que j'achète des rappels, des trucs comme ça, je pense, pour la prochaine fois. Vibre à quoi? Hyper pression. Oh oui, non, mais là, c'est mort. Là, c'est mort. Oh là là, il y a Cormodi en plus. Oh là là, pouvoir antique. Allez, go, s'il te plaît.
Bon bah je crois que demain ça sera la revanche contre Chimera. Hein. Tant pis. Hein. Ouais, bah, je crois que demain ça sera un épisode consacré à Chimera, les amis. Je suis désolé. En plus j'aurai pas trop le temps de faire une troisième revanche là. Bah, une deuxième revanche. J'aurai pas trop le temps après, donc malheureusement ça sera que demain. Là, feuille magique et c'est fini. Là. Là, je me fais déglinguer. Bomberk. Ouais, là, c'était sûr. Bon, bah, les amis, demain, on fera la revanche contre Chimera. Je suis désolé, je pourrais pas faire une deuxième revanche. J'aurais pas trop le temps. Là, le temps que je joue contre moi, là, malheureusement, je ne pourrais pas faire une deuxième revanche. Donc, voilà, je suis navré. Ah, franchement, pourtant, j'ai une très bonne équipe. J'ai 100 coquilles. Après, j'ai pas de Clitosaur et tout ça, mais bon, voilà. Comme ça. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à demain. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Ghosty. Ciao tout le monde.